Sortez, vous êtes au courant de ça, il dit. Oh, pour nous sort toujours un chat, il dit. Voilà la FECA Foot qui nous sort un communiqué en disant que eux-mêmes, ils étaient assis par terre, comme nous. Ils ont aussi vu sur les réseaux sociaux que voilà le nouveau entraîneur des Lions Indomptables. Puisque un truc comme ça, là, il faut que le président de la FECA Foot signe, tout le monde signe. Que eux-mêmes sont assis par terre, ils sont étonnés, mes gens. J'ai dit, oh, non, mais est-ce qu'on est obligé de savoir tout ça? Ça veut dire qu'il y a l'autorité de quelqu'un qui est en train d'être bafoué. C'est ça. Donc, ça veut dire que moi, je ne sais pas. On nomme quelqu'un, on le met à la tête de quelque chose, mais on veut le téléguider. Soit vous décidez que vous asseyez sur vos ministères, vous occupez au moins 10 places. Ben, voilà, ça prouve que la personne qu'on a pris pour mettre la tête là-bas a refusé d'être marionnette. Comme la personne a refusé d'être marionnette, maintenant on a entendu montrer que tu ne nous sers à rien. On n'a pas besoin de toi. On peut faire ça. On peut faire ça. Oh. Le pays ici. Le pays là. Pardon. Tout ce qui appartient au pays. Laissez-nous au moins le football. Ça, c'est quel désordre, ça. À l'aube de 2025. C'est-à-dire que, parce que je me souviens ici, on a dit que non, le nouveau entraîneur sera connu. Il faut forcément voter. Il faut forcément, il y a au moins 10 ou 3 personnes qui doivent décider ensemble. Tiens, ils ont décidé, sans même celui qu'on dit que président de l'Afrique. On peut faire ça à quelqu'un. On peut faire ça à un peuple. On peut faire ça à ses citoyens. Eh! Le Cameroun. Que Dieu nous garde. Abyss.